C'est logique que les sourds aient besoin de la langue des signes. Ouais, sur Facebook, j'ai vu les commentaires des sourds qui étaient en colère. Moi, y compris, c'est pour ça que je suis venue. Et le fait que vous soyez tous là, ça montre cette colère. On n'est pas venu pour rien, bien au contraire. Je vais vous donner un exemple. Pendant les débats présidentiels, imaginez... Il y a un sourd qui signe, les entendants diraient, bah, hey, j'ai besoin du son, comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Ben, il faudrait qu'ils se mettent à d'autres places. Les sons sont où? L'accessibilité, elle est où? L'égalité, elle est où? Le sous-titrage, 3 heures? Enfin, 3 heures de sous-titrage, c'est très fatigant. C'est le sujet sur le sous-titrage. En plus, le niveau n'est pas forcément facile à comprendre. Enfin, il y a tout le monde n'a pas forcément le même niveau. C'est vrai que je préfère voilà, qu'on puisse avoir un interprète. Cette accessibilité-là, c'est beaucoup plus confortable. Oui, quand on a un handicapé, par exemple, un fauteuil roulant, et là, le confort aussi, c'est important, même pour nous. Depuis 12 ans, qu'est-ce qu'on a fait? C'est incroyable. Ça, c'est vraiment une honte. Il faut arrêter. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive à cet objectif. Et j'espère de tout cœur. Il faut voilà, arriver à penser positif, à relever les manches, et on est citoyens. Même si les entendants, ils ont la belle vie, ils ont tout, ils ont le confort. Mais les sons, ils sont où dans tout ça? Voilà, il faut qu'on arrive à être à égalité dans notre objectif. Merci. Oh. Bonjour, moi je viens du Mans, enfin pas du Mans. Vous avez remarqué, par exemple, dans des matchs de foot à la télévision, il y a les commentateurs audio et au niveau des sous-titres, il y a des coupures. Moi j'aimerais avoir les mêmes commentaires, par exemple, que les entendants peuvent avoir à l'oral, mais en sous-titrage. Voilà, pour moi par exemple, c'est important. À la télévision, par exemple, quand ma femme est entendante, hein, elle s'aperçoit que des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, un gros mot, merde, mettons, qui soit utilisé en français, en sautant, ça ne va pas être le même mot. Enfin, il y a des incohérences, enfin, il a à s'adapter, enfin, voilà, je ne comprends pas bien, et c'est pour ça que je suis là et que je me barre. Merci. Bonjour, voilà, cette image, ça fait que c'est un réédition dont je viens de Bretagne. Pour le CSA, c'est très important parce que donc en 2005, il y a eu cette reconnaissance de la langue des signes qui a été votée dans la loi et notamment du sujet éducatif. Par donc juste qu'en 2010, l'Europe a... Enfin, il n'y a pas eu encore de... Enfin, l'Europe a fait un décret, mais ça n'a pas été encore appliqué. Donc, au niveau du sous-titrage, c'est pareil, il y a des décalages, c'est pour ça que je viens et que c'est très important. Il faut qu'on vous aide, il faut qu'on bouge. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous, moi je viens de Laval, donc dans l'ouest, à côté de Rennes. Je suis prof et je remarque pour les enfants entendants, enfants sourds. Le retour sur les deux et pour les entendants c'est très riche parce qu'en plus ils peuvent communiquer, être autonomes, etc. Les sourds, au niveau du sous-titrage, bon voilà, c'est pas forcément terrible, il n'y a pas forcément d'échange après avec les parents et quand je compare les échanges entre entendants et les échanges entre sourds, c'est moins des riches, même au niveau du vocabulaire on n'a pas forcément le même niveau et c'est vraiment dommage, hein, c'est un avis personnel. Pour les enfants, j'aimerais voilà, qu'on puisse encourager aussi, même pour les enfants sourds, arriver à gagner cette accessibilité, arriver à gagner cette image, que ce soit par le niveau politique, par avoir à égalité sourd entendant. Au niveau des adultes, au niveau de la famille, des collègues, des amis, la télévision, il y a beaucoup d'informations, les entendants peuvent discuter, échanger là-dessus. Au niveau des sourds, en général, ils sont isolés parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance de tout ça. Il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Ah bon, tiens, je ne savais pas. Ou alors, faut qu'ils aillent voir sur Internet, pour avoir des informations, demander à d'autres pour avoir plus d'informations. Donc, c'est vraiment pénible aussi d'être obligé de faire le lien, d'être obligé de chercher des informations soi-même, alors que pour les enfants, c'est beaucoup plus confortable. Donc voilà, il faudrait vraiment avoir un interprète. C'est pas compliqué, hein. Maman. Voilà, et puis moi, c'est vraiment pouvoir enrichir, donner
la richesse. Ça veut dire ça. La discrimination, il y en a marre. Alors oui, j'ai grandi dans l'oralisme. Peut-être que donc il y a des entendants aussi. J'ai pas j'avais pas ce noyau de la communauté sourde, de la langue des signes, et j'ai découvert des mots et mon identité s'est révélée tout de suite et j'en ai une marque de cette oppression. Ras-le-bol, ben voilà, ça correspond bien à mon t-shirt, marre de cette discrimination. L'oreille, la voix, la bouche, c'est pas ça, moi, l'important c'est la langue des signes. J'ai découvert la langue des signes et j'ai découvert la langue en même temps. Et à la télévision, on voit que c'est encore cette barrière de la langue, j'en veux plus, c'est pas possible, c'est plus possible. Le sous-titrage, ça vous convient? Entendant, sourd, si vous arrivez à vous lire, les enfants, est-ce qu'ils peuvent lire ce sous-titrage? Impossible, même les enfants, lire le sous-titrage, de quoi ce mot-là, ça parle de quoi? En langue des signes, tout c'est clair, il y a les placements, c'est très visuel, c'est exactement comme le chant. Le son, c'est pour ça qu'on est là pour les CSA, pour la dire qu'on en a ras-le-bol de cette discrimination. C'est le CSA qu'on va discriminer si ça continue. Bravo! Voilà. On va faire tomber. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Voilà, on va continuer avec les sifflets. Bonjour à tous, je viens parler en. Je viens donc, vous avez deux choses à dire. La première, c'est le côté vexé et en plus, c'est le côté chauffant. Vous savez, au niveau des attentats, il y a eu des places de dernière minute, d'urgence. J'étais en dessin, pas de sous-titrage, à l'oral, pardon, pas de sous-titrage, pas d'homme dessin, on savait pas où ça se passait, on savait pas ce qui se passait. Et on s'oblige quoi, la sécurité des citoyens sourds. Et ça, je suis pas d'accord. La deuxième chose, le CSA oublie l'égalité entendant sourd en direct à la télévision. Par exemple, j'ai vu le directeur général du CSA qui parlait du sous-titrage, qu'il y avait... vous pouvez regarder en replay sur le site internet, vous pouvez regarder en direct sur le site internet. On nous dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément internet, qui n'ont pas l'habitude, qui voudraient que ce soit en direct à la télévision, qui ne se voit pas sur un site internet, mais direct à la télé. Tout simplement pour être à égalité avec les entendants. Et que ce soit même diffusé. Enfin, il y a des pays où c'est diffusé directement à la télévision. Il n'y a pas de raison qu'en France, on soit obligé de se connecter sur un site internet. Donc, ça, c'est le moyen pour.